DJ Stéphane. Bala Mwangi. Congo ya Lumumba Congo. Ta fachi beton. Tangwe koki yo yo yo. Tangwango yango yo ye koki. Tolanda kango. Papa Stéphane, Bala Mwangi. Bien, merci beaucoup Tango et Koki RDC. Chers compatriotes, je vous dis bonjour et bon week-end à tous. Nous sommes à Kinshasa, la République démocratique du Congo, le pays cher de Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo, le pays cher notamment de tout le peuple congolais. Vous nous suivez depuis la ville de Montréal, vous nous suivez depuis l'Australie, depuis les États-Unis, pourquoi pas en France, à Paris, à Marseille, vous êtes à Bordeaux, vous êtes partout en Belgique, vous êtes à la Hollande. Et nous disons bonjour et bon week-end surtout. Ceux qui nous suivent en Afrique du Sud, pourquoi pas ici, en Congo, d'un niveau, il y a Kolwezi. Je suis Monsieur Mara Bobola, votre humble serviteur. Nous sommes là toujours pour vous informer et de vous donner les informations à travers nos analyses afin de comprendre ce qui se passe sur la sphère politique, économique, sociale et pourquoi pas environnementale dans notre pays. Beaucoup de sujets, Togo Solana Bino, notamment la situation qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo. Bon, d'abord, il a plu aujourd'hui à Kinshasa. Bon, je sais comment Tokoko t'a un peu naba commentaire pour na koluka un peu évaluer bah dégâts avec la pluie diluvienne d'Ingimbu le Beti Leona Kinshasa. Est-ce que la pluie qui s'est abattue a démontré combien le régime de Tshisekedi est incapable de pouvoir résoudre le problème de l'assainissement dans la ville province de Kinshasa? Daniel Bumba qui a lancé l'opération Kinshasa Ezobonga, mais malheureusement jusqu'à aujourd'hui les choses ne marchent pas comme il se doit. Une petite pluie qui s'annonce déjà le mois de novembre, c'est une saison où Mboulebe Taramingi, mais déjà avec les images que nous avons vues aujourd'hui, je pense qu'il est important pour nous de pouvoir prendre des mesures restrictives, des mesures nécessaires et impératives d'urgence pour Nagoluka pour faire face à Mboula Negebetilelo. Alors la sortie, alors le propos notamment de Judith Suminwa, la première ministre depuis la Belgique, a annoncé à la communauté congolaise et internationale que devant la presse que la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, les Rwandais avec le régime de M. Kagame ont accepté de libérer les territoires ou alors les zones occupées par le Rwanda afin de libérer notamment les espaces de la République démocratique du Congo. De l'autre côté, le ministre des Affaires étrangères et à intégration régionale de la francophonie a démenti cette information de la part Yamama Judith Suminwa, qui a annoncé en gros la communauté internationale que le Rwanda, à travers le processus de Luanda, Bandima Kibongo, ya kubimisa ba soldats na bango na Congo, mais ministre ya affaires étrangères rwandaise y a démenti information na alobie ke ezali information ya soloté Judith Tuluka Akosi. Donc on me quand un peu analyser, est-ce que maman Judith Tuluka, est-ce qu'il y a qui n'a pas précision, est-ce que Akosi le Rwanda makambo, mais qu'est-ce qui a fait que ministre affaires étrangères à Mekabongo Rote, le Melaba propos, il y a Mama Judith Tuluka, et puis on va essayer un peu d'analyser le comportement à Kagame vis-à-vis à processus à Luanda, et puis après cela, Tokokota, na deuxième sujet, Nabiso, Mata Tampogno qui annonce devant la presse de la voix du peuple que les institutions congolaises, notamment le Parlement congolais, est abrité et rempli par beaucoup d'étrangers. Est-ce que il y a solo Augustin Matata Tamponyo, ancien premier ministre Akosi, mais si ces étrangers baillent à niveau ya parlement, baillent na Congo, bazako servi mboka, bazako occupé ba grande poste, non ba grande responsabilité, ou ba bengi ba haute facture, ba responsabilité de haut niveau, bazali ko occupé en quel est le danger ya kozana ba étranger ou ba changea déjà nationalité, ou bazana ba institution na biso, mais ba étranger moussous. Et ba étranger oyo mata tamponyo lobie ki bazali na assemblée nationale, bazali na parlement, bazako siéger na assemblée nationale. Est-ce qu'il y a des Rwandais, il y a des Ougandais, il y a des Burundais, ou alors il s'agit de quel type des étrangers oyo mata tamponyo a lobby? Est-ce qu'il y a lobeli ke
les Aliba étrangers ou alors les Congolais, ou les Aliba binationaux. Alors que la constitution, il y a République démocratique du Congo, les Aliba stipulaient que la nationalité congolaise, elle est une et exclusive, qu'on ne peut pas la concurrencier, la comparer avec une autre nationalité. Dès lors que vous avez perdu la nationalité congolaise, bandeko bozo landabiso bozali banda ya mboka. Est-ce que je me fais comprendre? Bandeko oyo bozo landabiso bozali banda ya mboka. Dès lors que ozwaki nationalité mususu, obimi congolais, oké okomi na Paris, au commun à Bruxelles, au commun à Belgique, au commun à France, au commun à Hollande, au commun à Suède, au commun à Danemark, au commun à Norvège, au commun à Chypre, au commun à Turquie, au commun à Qatar, au commun à Brésil, na Inde, na Russie, na États-Unis, na Canada, na Montréal, partout. Ce qui aux une nationalité à Mboka wana place aux Ali. Yebaka yango ke au perdre nationalité d'origine congolaise. Au père de nationalité na yo pambate mibeko ya mboka eza koloba eke moto oyo aza congolais okeyi kondima kozwa nationalité mususu ozali lisusu congolais te parce que mibeko mboka zolo ba eke to koki ko comparer nationalité congolaise na nationalité mususu te. Ça c'est la constitution congolaise qui le dit. Alors, tu commences un peu qu'on analyse ba makambo oyo mata tampo ya lobby. Est-ce que ba étranger oyo baza na parlement congolais? Parce qu'il y a que beaucoup d'étrangers, les institutions congolaises, notamment le Parlement congolais, est siégé, est abrité par beaucoup d'étrangers. Bazali ko siégé dans la plénière, dans l'activité Assemblée nationale et puis à Sénat. Mais il s'agit de quel type des étrangers? Est-ce qu'il y a aussi des Rwandais basés dans l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il y a des Burundais basés dans l'Assemblée nationale? On va essayer un peu. Il y a quoi analyser ma propos Oyo Ezali, il y a Augustin Mata Tampogno. Alors, chers compatriotes, décidé Oyo Toko Solana Bino, Toko Meka MP, qu'on analyse ma kamdenge Zako le Kanamboka. Mais au fur et à mesure que Zako évolue, Toko Chite MP Mouké na Makambo Itali Mboula, Nenge Beti na Kisasa. Kisasa Mboule Beti, place à Routia Lokolo Zate. Na Kisasa Mboule Beti, Daniel Bumba, mon bien-aimé, dans le Seigneur. Mboule beti na Kinshasa. Place a rotia lo kolizate. Na moni video moko, bisi moko, ya 207. 207, maya mbula, kamati bisi ya 207. Batu ba wako kotambo late. Mbula we beti na Kinshasa, okoriko zwa bwato. Ozu mwasi na bana. Ote bango, bokati si nangambo. Boke bo sombi Thompson, bo sombi poisson, pe bo zongi nandako. Ezaka ndenge tozaka na ba Lusengo, ndenge tozaka na ba Mobeka, ndenge tozaka na ba Mbandaka, ndenge tozaka na ba Monyongo, kune pa na ba Marabo bola na ba Bujala. Ça veut dire que tozana mai rivière nde kaboli biso. Bandeko musu bazana ngambo. Alors so lingo ke na ngambo, oso mama futa, osenga mungwa, ozo ambeli ozo soki nini, il faut zo aka boato. Moi j'ai vu ça tant on a ke campagne awa. Donc so lingi ozo opesa polo ndenge to ke na campagne, il faut aka boato. Bon, il peut nager, na bosse na ngomwa kala. C'est vrai que non seulement ils allument, mais ya ebale ya Congo, ils allent au Rwanda, tout ça que le bateau. Et à Kinshasa, mboule beti, donc tu se retrouver dans ma situation. Wana. Bande kubomoni ba image na poto, ils ont que ça la mabe. Ils ont ça malamouté. Mboula mukebo e beti, Kinshasa est tondi. Alors, nenge beti raba mboula, on nenge landanaka. Togo suka wap. Ça, ce sont les sujets oyo togo solana bido. Alors. Maman Nabiso, Judith Soumouina, a sali déplacement à niveau ya Belgique. Maman voyage. Devant la communauté internationale, devant la communauté congolaise, la maman a annoncé une bonne nouvelle pour le peuple congolais. Parce qu'à chaque fois, ma cousine Nabiso, n'est pas voyage. Au ministre de l'économie, au ministre de l'éducation. Ministre et environnement, gouverneur de la ville, président de la République. Namon ango souvent avec le chef de l'État, à chaque fois que Naralibanda, nga ikoutou nan lobaye ke, le chef de l'État, tant qu'on a voyagé, il voyage avec l'image de l'unité nationale. Et puis, na symbole, oba bengi ezali, ya patriotisme, na symbole, ya unité, ya peuple congolais. Lorsque le chef de l'État voyage à ka, tout le monde a quand même, hein, il est tout le temps après l'activité,
akuta na communauté congolaise dernièrement zaki na États-Unis azaki na communauté congolaise d'ailleurs il y a une image joie ko lobaye que yo tiki ki ça ça oyeka ka kobeta matolo les gens qui étaient là babanda yo koseka. Alors, chef de l'État Zaki na Hongrie, tout le monde y a coûté une communauté congolaise, Azala qui na niveau y a Paris, Akenda qui na ambassade na Bissau, Oezal na niveau y a Paris, na niveau y a France, et y a eu la communauté congolaise, bah y a qui wana, et ça là quand même bien, Ozana Mboka Moroboe, Oyogi qui est chef de l'État, Mokoza Mboka na Bino Azawana, Bokoyo ko sanga la communauté wana, Bobengani, Bokei, Bokutani na ye, Bosololi, ça fait quand même bien là, et ça là quand même bien. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas le chef de l'État, mais c'est plutôt la première ministre. La première ministre, Judith Suminwa, a annoncé en gros ouvertement que la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo, autant que Bundawana ba Rwandais, les Rwandais ont dit que le Congo est soudain dans le Congo. Et c'est une très bonne nouvelle. Mais quelques jours après, ministre des Affaires étrangères rwandaise, a démenti l'information. Alors bien que premier ministre a Kossi, Pambate, le Rwanda n'a jamais accepté Yakolongo la troupe naye nakati ya Congo. Bon, d'abord, tokotana no, tofungolana no, beaucoup oyo. Maman Judith Suminwa avant a annoncé Likambo en tant que chef de gouvernement, azali na capacité, azali na obligation, ba pesa ba information yonso, le ko les ama kambo itali sécurité. Yelo Kola Azali, la patronne, ou alors la nouvelle locatrice, l'actuelle locatrice, ya primature, bagoye bisaye ki na makambo etali ekonomi, tala mboka na biso eza na situation bo. Makambo etali assainissement ya ville, tala makambo eza na situation bo. Makambo etali insécurité na est, tala dossier eza na niveau bo. Après que to signé mabengaka protocole d'accord entre les deux parties sous la médiation ya Angola. Ministre des Affaires étrangères a pesa ki pe mon koloto na ye a signé ki a kolobaye que il y avait un plan d'harmonisation pour na kolongola ba troupe ya Rwanda na mabele ya Congo. Ça veut dire que le Rwanda andimaki ba longola ba militaire rwandais sur le sol congolais. Bazaki na ndoto te le ministre des Affaires étrangères ba kangaki na makasite papa yo esengelo signé kaka signé awawa Poto Longola, ma militaire rwandais sur le sol congolais. Non, a signé en toute liberté et en toute modestie et dans un calme parfait et total. La partie rwandaise va signer le Rwanda. La partie congolaise, Oezalaki avec la ministre Kaikwamba, Oyo na zako félicité souvent na Moussala zako sala, va signer qui pour na ko représenter partie congolaise. Et que non, le plan, il y a harmonisation pour na ko, désengorger les M23, ko longola bango sur le sol congolais, et puis ko désengorger et loko ba bengi les FDLR. Ba FDLR, toko bengala bango na Congo ndeni, il y avait un plan d'harmonisation pour na ko, désengorger parti wana na présence ya ba FDLR. La partie congolaise, ma grande sœur, Kaikwamba, ministre affaires étrangères, yepe a signé qui mon koloto. Et ce qui ka kana deux parties te. Et ce qui ka kana partie congolaise te, nenge to dima yiko signé. Et puis, et ce qui ka kana partie rwandaise te, nenge to signa ki te. Max, est-ce que vous pouvez nous aider? Nenge to signa ki te. Alors, la partie rwandaise, ba tiye mon koloto, la partie congolaise, to tiye mon koloto. Ton dimiye ki, To bengana ba FDL bisonyo sona Rwanda na Congo to bengala bango parce que Rwanda azako lobaye ke ba militaire oyo bazali na niveau ya ba FDL bazali ko déranger régime ya Kagame. Alors entre la République démocratique du Congo et le Rwanda esengeli to neutralisation to neutraliser ba force ya FDL. La partie angolaise oyo azali partie ya médiation bazobe ngango réunion interministérielle. La partie angolaise bango avec la médiation nde ba signaki pour na kolakisa eke biso tondimi que non les deux parties bandimie ke ba neutraliser ba FDL et puis Rwanda abimisa ma soda na ye na mabele ya Congo. Mais
Mama Judith Estuluka, Kosala annonce wana na communauté internationale, Azala qui déjà na information wana. Et d'ailleurs, moi je l'avais annoncé ici, je crois que deux jours passés, que non, bonne nouvelle, le Rwanda a accepté Yakolongola ba troupe naye sur le sol congolais, et puis la RDC a accepté aussi de neutraliser le FDLR. Pona ke Kimia Ekota. Parce que Kagame azakoloba tout le temps que Basodo bazan en Congo, Ezali FDLR, Bakima, et ce sont de Hutu, bazako déranger régime naye, ne atin na Basoda naye na Congo, pona koya kobunda na ba FDLR. Mais alors que Kagame azako tin da Basoda naye na Congo, pona kobunda na FDLR. Pendant que le FDLR, place où M23 bazako se retrouver, ba FDLR bazalaka wana te. Le FDLR depuis ba bima na Rwanda ba ya na Congo ba kenda ko se réfugier wapi na Sud Kivu, alors que le M23 na ba soda ya Rwanda baza ko se retrouver wapi na niveau ya Nord Kivu. Mais comment vous allez envoyer les forces rwandaises dans la partie est de la République démocratique du Congo pour neutraliser les FDLR qui inquiètent le régime de Kigali, le régime du Rwanda, dans un endroit où on ne peut pas retrouver les FDLR? Les FDLR, on les retrouve dans la partie est de la République démocratique du Congo, précisément dans la province du Sud Kivu. Mais comment M. Kagame envoie les militaires rwandais? Il appuie les M23 afin de traquer les FDLR qu'on ne retrouve jamais dans la partie est de la République démocratique du Congo, mais également dans la province de l'Ituri, mais également aussi dans la province du Nord Kivu. Ça, ça devient une confusion et ça donne alors l'opportunité de faire éclairer la communauté congolaise qui, M. Kagame, ne veut pas neutraliser les forces négatives dans la partie est de la République démocratique du Congo qui inquiète son régime. Il veut seulement aller exploiter les ressources naturelles de la République démocratique du Congo, mais également chercher aussi à balkaniser notre pays et élargir son, sa superficie. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, le kolayo lobie ki ba out baza ko déranger yo. Le kolo lobie ki ba FDLR baza ko déranger yo. Biso Congo, biso bato yo baza na mboka na biso. Tondimie ki bato wana to bimisa bango. Au commissariat pour les réfugiés, toko komela bango. Et puis toko yebisa bango ki le kolo bato yo baza ko déranger régime ya Kigali. Biso République démocratique du Congo. Tondimie ki toza ko neutraliser banani, toza ko neutraliser force wana. Ça veut dire que et le Rwanda et la République démocratique du Congo sont neutralisés. N'est-ce pas ça qui Judith Tuluka, Premier ministre de la République démocratique du Congo, opportunité, il y a qu'on est informé dans la communauté internationale, dans la communauté congolaise, que le Rwanda a dimi Kolongo la troupe dans la République démocratique du Congo. Mais ministre des Affaires étrangères, il y a Rwanda et Aboyango. Mais Eloko Nini est poussé ministre des Affaires étrangères Aboyango. C'est seulement l'hypocrisie de M. Kagame qui en a vis-à-vis des processus de la paix à travers les processus de Luanda de ne pas avoir la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Donc le fait pour le ministre des Affaires étrangères rwandaise de ne pas accepter que le Rwanda n'a jamais signé un protocole d'accord sous la médiation de Luanda, cela prouve à suffisance que M. Kagame n'a jamais voulu alors voir la partie est de la République démocratique du Congo bénéficier de la stabilité et de la paix. Mais également, cela prouve l'hypocrisie du Rwanda dans ce processus de Luanda. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Tozobel et la Moïbi. Moïbi, en gros, bisounyo, se trouve bien que Moïbi est un mototel. Bisounyo, na moto ba yibi. Na moto yo Moïbi aza ko kende ko kima na ndako na ye. Tozui volonté ya ko kanga Moïbi wana. Me yo siko na par na yo, ozozo nga sima ono, nga la monye ke aza Moïbi te. Nga la monye ke abomi batute. Nga la monye ke eza nenge bino bo kanisa te. Ça veut dire que oza na besoin te ya ko kanga Moïbi wana. Nde makambo o eza ko le kana na este. Donc le fait que ministre affaires étrangères ya Rwanda aboye ke Bango va tigala ko signer accord mon côté sous la médiation ya Rwanda ya nani ya Luanda
Ils ont prouvé biso parti congolais et que tout le cas moyen pour ça la nini il a comprendre que Kagame a lingi kimia tena est. Alors le quoi tous a qu'on négocié na parti rwandaise baza ko sale la biso babenga rabi parler baza ko sale la biso minene baza ko sale la biso le fundu tomatisa ba vion de chasse likolo tomatisa ba vion de chasse likolo. Ça c'est ma proposition marabobola oyo ezali proposition na ngai naza ko proposer ango et pas na commandant suprême le président de la république chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tomatisa ba vion de chasse likolo. Ba matisa sikoy 25 likolo. Et lorsqu'on va faire monter les sikoy 25, je pense que les M23 auront l'air sort comme le président de la République l'avait dit l'autre fois en Belgique. Parce que trop c'est trop. Tozo ke na médiation, bazako signé en même temps bazako wangana. Alors finalement dans une négociation, la partie adverse ne peut que se soumettre, ne peut qu'accepter la négociation lorsque cette partie comprend ce qu'on appelle votre qualité de force. Et lorsque le Rwanda jusqu'à présent, le Rwanda n'a jamais été inquiété. Je vous l'ai dit, nous allons partir des négociations à négociations et finalement, nous allons perdre la partie est de la République démocratique du Congo. Ça, ce sont des analyses politiques, des analyses aussi scientifiques. Parce que la partie rwandaise nous a prouvé son hypocrisie et nous a démontré, noir sur blanc, que le Rwanda ne veut pas que la guerre dans l'Est République démocratique du Congo puisse finir. Alors, comme le Rwanda ne veut pas, nous devons aller maintenant avec les rapports de forces sur le terrain. Nous devons armer nos militaires. Nous devons donner des moyens au FARDC, mais également nous devons mettre les avions de chasse et afin de combattre et déclarer la guerre avec le Rwanda. Le chef de l'État, c'est encore le moment de déclarer la guerre contre le Rwanda. Nous devons déclarer la guerre. Ministre des Affaires étrangères qui nie déjà de ne pas avoir signé l'accord de faire les retraits de militaires rwandais sur le sol congolais. Mais lorsque le ministre des Affaires étrangères, il est en train de refuser, il est en train de nier que la partie rwandaise n'a jamais signé un quelconque document, une quelconque document donnant lieu ou le pouvoir de retirer les militaires rwandais sur le sol congolais, cela démontre suffisamment que le Rwanda n'est pas encore prêt de retirer ses troupes sur le sol de la République démocratique du Congo. Et ceci nous envoie alors d'aller combattre contre le Rwanda. Ça, c'est mon avis. Ça, c'est mon analyse. Nous devons maintenant aller combattre contre le Rwanda. Foto Bundana Rwanda. To Bundana Rwanda. Makamusu Pesenga Ramoni, ko soit na soke leki. Ko soit na soke leki. Et senga to simba na nzoto. Toyo kana solo ya nzoto. Ils ont un rappel important. Nous, on est grandi comme ça. Na bangi yo petro, na kimi yo petro, o menace nga petro. Awa sikoyo, to le kanaka ka to simba nanzoto. Oya go beta moninga, de siko to bandi kamaraderie abia. To bundana Rwanda. Soki Rwanda beti biso, ah, wana siko to okena negociation abia. Soki pe biso to beti Rwanda, wana to okena negociation abia. Mais je pense, avec ma militaire na biso, Rwanda o gagne biso te. Toke na bitumada Rwanda, Rwanda ko gagne biso te. Rwanda effectif na ye ezali ya moins de 40,000 hommes. Moins de 40,000 hommes. Moins de 40,000 hommes. Oyoyo Rwanda azana bango. Soki to elimine déjà kaka 20,000, c'est fini to longi bitumba wana. Et puis to kozwa Rwanda to annexer ngo na Congo. To kozwa Rwanda to annexer ngo na Congo. Soki to longi bitumba na Rwanda, to kozwa Rwanda to annexer ngo na Congo. Et puis Kagame to kozwa yako yako sa la prison a Nandolo. Comme ça to zui gouverneur na biso moko militaire, to tindi kuna a komi gouverneur ya province ya Rwanda. Nous devons combattre contre le Rwanda. Et lorsque nous allons battre le Rwanda, nous allons prendre le Rwanda comme la 27e province de la République démocratique du Congo. Et nous allons prendre le Rwanda et l'annexer à la République démocratique du Congo. Et désormais, le Rwanda sera comme
une 27e province de la République démocratique du Congo parmi nos provinces. Et nous allons prendre un gouverneur militaire, nous allons l'envoyer là-bas. Et le Rwanda sera désormais un pays, non, non, une province aussi parmi les provinces de la République démocratique du Congo. Parce que, Makambango peut tout bagnan au Mingi. Naïbite sur Boza, d'accord, naïde n'en a. Chef de l'État a déclaré guerre. Va déclarer guerre. Max, naïbite sur chef de l'État a quoi déclaré guerre. Chef de l'État a déclaré guerre. Et tout ça, c'est M. Kagame qui est derrière ça. A-t-il un ministre des Affaires étrangères? Non, qu'il n'y a que des matis, mais comme premier ministre congolais, à l'obi. Et ministre des Affaires étrangères, a qui a des matis. On doit déclarer la guerre contre le Rwanda. Mata Tamponyo a sali sortie médiatique. L'ancien premier ministre alors bien que ma institution na biso tozali na président de la République, la première institution tozali na parlement ou ezali na chambre haute, na chambre basse, le Sénat et l'Assemblée nationale, déjà que constitué le parlement congolais, tozali na gouvernement congolais, troisième institution ou mama Judith Stumwina azali ko occuper, et puis tozali na ba cour et tribunaux. Procureur près la cour de cassation, procureur près la cour constitutionnelle, président de la cour constitutionnelle, le procureur général, le procureur le PG, le procureur général de la République, tous l'ensemble, notamment l'arsenal judiciaire, on va bien avoir les cours et tribunaux. Des salis ensemble, il y a ma institution, il y a République démocratique du Congo. Mais ma institution, la Bissouana, ils allaient cohabiter. N'a pas étranger. Ça veut dire que Tozali soit na président de l'Assemblée nationale, Tozali soit na président du Sénat, Tozali soit na ba rapporteur, soit ya Sénat, ba questeur, soit ya Assemblée nationale, Tozali soit na chef du gouvernement, Tozali soit na procureur général, Tozali soit na ba haut magistrat, Tozali soit na ba conseiller spécial du chef de l'État, Tozali soit na ba conseiller principaux du chef de l'État, Tozali soit. Tozali soit n'a pas député national, Tozali soit n'a pas sénateur. Na niveau ya ba institution na biso, oyo bazali ba étranger. Ça c'est Augustin Matata Mponyo moto asali annonce wana. Mais eloko ni netini Augustin Matata Mponyo, ancien premier ministre asala annonce wana. Landa s'il vous plaît. L'ancien premier ministre Ponaye, azomo na ye ke ezali loko la violation ya constitution. Et tout est parti à travers le débat, même si ce n'est pas à l'ordre du jour, ya koluka ko réviser constitution, ya koluka ko revoir certains articles na kati ya constitution na biso, mais également ya ko changer alors l'ensemble, la quasi-totalité de la constitution congolaise. La constitution congolaise, Max, est-ce que nous pouvons avoir la constitution congolaise? Max, na ebite soki Max azawana, soka koko sungabiso, na constitution congolaise, totala, toyeba article nini, oeza kolobela biso makababa nationalité congolaise. Max koko sungabiso na constitution, to meka empe kotanga, mibeko yamboka, izo lobela biso nini, na makambo itali constitution, o itali article. Si je ne me trompe pas, étalie la loi portant sur la nationalité congolaise. Tout ça, la constitution, la biso, est-ce que abonné mon côté à tant de coquilles? À quoi sommes la biso constitution? T'as la constitution, tout ça, n'a rien. Hein? T'as la constitution, où y'a chaîne, y'a tant de coquilles, tout ça, qu'on utilise. Hein? Abonné moko ya tango koki. Ou somme la biso constitution. Ou pesi biso ko zala pe quelque chose de bien. Et sou la biso comme un outil de travail. Alors, présidence de la République et constitution de la République démocratique du Congo. Titre 2 des droits humains, des libertés fondamentales et des devoirs des citoyens et de l'État.
chapitre 2 de la nationalité, article 10. Voilà, c'est la constitution. Nous avons inventé ma gamouté. Chapitre 2 de la nationalité. Article 10. Chapitre 2 de la nationalité, article 10. Qu'est-ce que dit l'article 10 de la constitution congolaise en rapport avec la nationalité congolaise? La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre. Je reprends la lecture. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre. Donc notre nationalité ne peut être détenue concurremment avec une autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Est congolais d'origine toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constituant ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique du Congo, à l'indépendance. Une loi organe détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise. La Constitution congolaise nous dit dans son chapitre 2 de la nationalité congolaise, dans son article 10, que la nationalité congolaise, elle est une et exclusive et qu'on ne peut pas la concurrencer concurrentement avec une autre nationalité. Tokoki ko concurrencer en côté, tokoki ko balisa en côté na nationalité mususu. Oyi rwandais, oyi burundais, oyi tanzanien, yebaka yeke oyé na Congo oza congolété. La nationalité congolaise, elle est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. Un Congolais d'origine est toute personne dont les grands-parents étaient au Congo avant l'annonce de l'indépendance du Congo, aujourd'hui la République démocratique du Congo. Alors, Augustin Matan Tampogno dénonce la présence des étrangers dans le Parlement congolais. Il y a des étrangers. Est-ce que Vital Kamerhe, Akoki Kobimisa, ba députés nationaux, ba sénateurs, ici Samalukonde, vous êtes réclamés. Après l'annonce d'Augustin Matata Tampogno, l'ancien premier ministre, disons que le Parlement congolais, notamment un rempli de certains étrangers, et notre pays occupe alors des fonctions, de hautes fonctions, de hautes factures au sein des institutions de la République démocratique du Congo. Ici, la présence ou alors l'intervention du président de l'Assemblée nationale, honorable Vital Kamerhe, vous êtes obligé de répondre à la préoccupation d'Augustin Matata Tampogno. Député national, ancien premier ministre, est-ce que Augustin Matata Tampogno a sali au babenga kaka acharnement vis-à-vis ya batu oyo bazali ko occuper notamment ba siège na biso? Alors, Tokolanda, ma propos, il y a Augustin Matata Tampogno. Max KBC, Sungabiso, na sortie médiatique, il y a Augustin Matata Tampogno, Tolandaye, et puis Tozonga, pour na kolukandenge ni kokoyiko, cité na communication na biso, mon konanelo. Merci, suivez la vidéo. Vous le savez, je suis député. Le peuple m'a demandé. Monsieur les députés nationaux. Avant qu'on change la constitution, qu'on dise nous, le peuple qui vous avons élu, si tous les articles de la constitution sont respectés. J'ai répondu déjà, non, ce n'est pas respecté. Et je vais vous en donner quelques exemples.
Vous savez que notre constitution exige que pour occuper des fonctions politiques élevées, vous devez de nationalité congolaise. Et la nationalité congolaise, elle est indivisible, elle est exclusive. Est-ce que vous savez qu'au Parlement siège beaucoup d'étrangers? Beaucoup d'étrangers siègent au Parlement congolais. Parce qu'ils n'ont pas la nationalité. Parce qu'ils ont une autre nationalité. Et comme la nationalité congolaise est exclusive, dès que vous avez une autre nationalité, vous n'êtes plus congolais. Voilà. Là, c'est l'ancien Premier ministre Augustin Matata Mponyo qui dénonce la présence des étrangers au sein des institutions de la République démocratique du Congo. Et il dit, ces étrangers occupent des hautes fonctions de responsabilité. Est-ce que c'est un acharnement de la part d'Augustin Matata Mponyo vis-à-vis de ses autorités, ou alors Augustin Matata Mponyo a parlé en tant que député national, mais également un acteur majeur de la politique de la République démocratique du Congo? Mais si c'est le cas, ça veut dire que nous avons violé la constitution de la République démocratique du Congo. Si c'est vrai qu'il y a des étrangers qui occupent des hautes fonctions dans notre pays, ça veut dire que Augustin Matata Mponyo demande seulement que la constitution congolaise, elle est violée sous le régime de Tshisekedi. Mais est-ce que Augustin Matata Mponyo a tort? Les gens qui ont des doubles nationalités, qui siègent au niveau de l'Assemblée nationale, mais il faut que ces gens puissent être dénoncés. Les gens qui occupent des hautes fonctions au sein des institutions dans notre pays, ces gens-là doivent être dénoncés, cités nommément et être déchus dans leurs fonctions ou de ces fonctions. Le pays ne peut pas être géré par les étrangers. Lorsque vous avez changé votre nationalité, alors vous avez perdu la nationalité d'origine. Parce que la constitution congolaise les stipule dans l'article 10, dans son chapitre 2 de la nationalité congolaise. Que la nationalité congolaise est une et exclusive. Et elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. Et un Congolais est soit d'origine, soit par l'acquisition individuelle. Mais le loyer Augustin Matata Mponyo a l'oublié que le Parlement a mis sur les alliés dans les étrangers. Est-ce qu'il y a des Rwandais à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il y a des Soudanais à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il y a des Burundais à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il y a des Belges à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il y a des Français à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il y a des Américains à l'Assemblée nationale? Bref, est-ce qu'il y a des étrangers au sein des institutions de la République démocratique du Congo? Il faut que ces étrangers puissent quitter ces institutions et rentrer chez eux. Quand vous avez accepté de changer la nationalité, Mara Bobola a accepté d'avoir la nationalité belge. Ça veut dire que je ne peux plus occuper alors une autre fonction. Mais si Augustin Matata Mponyo semble avoir de preuves qu'il y a des étrangers au sein des institutions, moi je crois que la justice doit être saisie et que ces fonctions doivent être cédées par les Congolais d'origine. Est-ce que le détournement est au salam? Est-ce parce que les étrangers sont dans les institutions? Selon Augustin Matata Mponyo. Alors, nous sommes presque à la fin. Je voulais souhaiter un très bon week-end. Je souhaite un très bon week-end au DG de l'ONATRA, le DG Lukusa. Mara Bobola vous souhaite un très bon week-end. Un DG qui travaille selon la vision du chef de l'État. Nous voyons comment cette entreprise de l'État est en train de prendre une belle forme, est en train de prendre notamment la nouvelle heure au sein de l'Office national des transports, ONATRA, le DG Lukusa, qui travaille vraiment très bien.
nous sommes en train de le féliciter pour le travail qu'il est en train de faire. Et nous souhaitons qu'il puisse garder toujours le cap, de ne pas suivre les critiques, mais également la jalousie, la méchanceté de certaines personnes qui veulent le voir être demi de ses fonctions. Nous pensons que le DG Lukusa fait un travail remarquable à la tête de l'Office national des transports. Un autre bon week-end également au DG, notamment AI de Congo Airways, le numéro 1 de l'entreprise de la compagnie aérienne Congo Airways, Norbert Sengabali, à qui nous présentons un très bon week-end, malgré qu'il a pris à Kinshasa, mais nous pensons que c'est important pour nous aussi de présenter le bon week-end à ces deux jeux AI de Congo Airways. Et nous pensons que dans les jours à venir, Congo Airways aura déjà ses avions et les activités vont reprendre. Hier, j'étais au niveau de l'aéroport, j'ai vu comment l'avion de Congo Airways était parqué. Et ça m'a fait quand même très mal parce que je suis aussi fils maison de cette compagnie. J'ai eu à travailler au sein de cette compagnie et ça me fait toujours mal de voir qu'aujourd'hui Congo Airways pousse à aller notamment à la faillite et ça ne sera pas quelque chose de bien. Et le chef de l'État veut aussi voir que Congo Airways puisse reprendre ses activités. Alors, l'ancien ministre de Finances, Nicolas Kazadi, était aujourd'hui dans son ancienne école qu'on appelle le complexe scolaire Moamba, Kin Moamba. Voilà, là nous sommes dans la fédération de Moamba où il avait quand même essayé un peu de faire ce qu'on appelle, il a construit un stade municipal comme un don pour les élèves de cette école. Et les bâtiments administratifs ou bien alors le bâtiment de cette école a été réhabilité grâce à la volonté et le savoir-faire, notamment de l'ancien élève de cette école qu'on appelle Kin Moamba. Nicolas Kazadi était aujourd'hui de pouvoir visiter après que les travaux aient fini. Nous avons vu des vidéos, comment il était sur place au sein des terrains municipaux de cette école où les élèves vont bénéficier, notamment dans les jours à venir, comment ils vont commencer à jouer leur maths interscolaire aussi. Et c'est quand même quelque chose de bien. Voilà un peu des choses que nous voulons. Voilà des choses que nous demandons simplement à nos autorités. Même si le président de la République ne fera pas tout, même si le premier ministre ne fera pas tout, mais que chaque autorité puisse aussi contribuer au développement de notre pays. Aujourd'hui, Nicolas Kazadi a fait ce qu'on appelle la réhabilitation de cette école. Les bâtiments, la peinture et tout. Il a doté même un terrain municipal où les élèves vont commencer à jouer en football dans cette école. Mais si tout le monde, toutes nos autorités, dans la politique, construisez chez vous. Voilà Nicolas Kazadi, à Salidon, au Babengi, à terrain à football. Je vis la vidéo vraiment et ça l'inga et loko yamalamu. Et nous voulons comme ça. Ce qui va autorité na bisoyon. Le Congo, nous avons 26 provinces. Un seul individu peut-être a okoko rotongangote. Si c'est qu'il y a un mandat peut-être il y a 10 ans. Un mandat peut-être il y a 10 ans. Ce qui ma kamango et kenenge katozo linga et kenne ou bien nenge to okanisa. Mais si c'est qu'il y a okoko rotongakongo mobimate. Mais ce qui chaque personne na kwe na ye. Le kola Nicolas Kazadi. À Salidon, au Babengi, à terrain municipal. Nicolas Kazadi a réhabilité l'école Wana Kini Moamba. Place à Tanga, place au Baye Baba Pesa et Maele. Lelo Nicolas Kazadi a zongi lissousou na l'école Wana Ekoza Malamu. Nga imara bobola, j'ai étudié na Epe Basolisanga, na Gemena, la province à Sidoubani. Lelo oe, so ki nzambe a pambolinga, a tombolinga la politique neto oko salabo. Na go kende pe na dote l'école Wana, atana bâtiment. Nago tongela bango pe ata moi terrain na pesa bango pe ata souris nago zonga na hôpital ou peut-être ba soignanga itango na belaka et c'est ce que Nicolas Kazadi a fait. Donc bravo, coup de chapeau, excellence Nicolas Kazadi. Biloko ya boye nde toza kolinga, biloko ya boye nde toza kolinga. Alors nous souhaitons aussi bon weekend, pourquoi pas à la deuxième, au professeur Modeste Batu du Kobo. Nous le présentons aussi, bon week-end, au président des deuxième vice-président de la nouvelle ou alors l'actuelle législature qui est en cours. Nous le présentons aussi, bon week-end, que le Seigneur puisse vous donner toujours de bonne santé, hein, parce que nous avons besoin de ces valeurs. Nous avons besoin que vous puissiez toujours être là pour servir la République, parce que les valeurs qui peuvent aider notre pays à avancer,
c'est la loyauté, l'intégrité, l'expérience, l'intelligence, mais pourquoi pas la connaissance. Et nous pensons que le professeur Modeste Bahati du Kobo, c'est parmi les autorités dans notre pays que nous, la nouvelle classe politique, nous espérons avoir comme des modèles afin de pouvoir construire notre pays. Les chefs de l'État ont toujours dit qu'il est important de renouveler la classe politique. Mais comment on va renouveler cette classe politique? Nous devons faire ce qu'on appelle la symbiose. Nous devons faire ce qu'on appelle l'amalgame, le mélange. Il faut toujours que nous puissions collaborer avec ceux qui ont vécu. Bahati du Kobo est parmi ceux qui peuvent aussi contribuer pour le renouvellement de la classe politique afin de pouvoir voir les choses avancer. Alors, Max KBC, nous sommes à la fin. Max KBC, nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Max KBC, nous sommes à la fin. Alors, Max, nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Max KBC, nous sommes à la fin de notre émission. Alors, nous vous souhaitons aussi bon week-end. Mboule Beti na Kisasa. Batouba Rouye Bate, Toko Kende Wapi. Mboule Beti Amakasi. Daniel Bumba, ça a quelque chose. Mon bien-aimé, je vous soutiens. Moi, en tant que votre bien-aimé Daniel Bumba, moi, Mara Bobo, là, je vous soutiens toujours parce que nous partageons la même foi. Mais Mboule Beti, Luka Moyen, Namoni, Nalumumba, na boulevard Lumumba, Lobby, Bazo Salayo, Babengi, Bakirage. Alors, va continuer, il faut Kirage et Salama. Ma construction anarchique, hein, ma grande sœur, Akasia Banubola, Mosekaya Boudjala. Bon, mais quand même, la construction anarchique, na Linguala, na quartier GB, les gens construisent même sur les caniveaux où ils allaient évacuation, tant qu'on boule les arcs au bétaboué, maï, eya, et qu'il y a un niveau, il y a une rivière, qu'il y a un fleuve. Mais les gens ont construit dans ma place, wana. Si quand on boule la soirée bétie, maï, ils ont la place au kendete, maï, et comme aux zones là bateau. Alors, on a créé une inondation. Mais ce n'est pas la fin du monde, parce que ailleurs, tout le monde a rappelé une inondation dans la France, dans la Belgique, en tout cas, ils ont la baie. Mais pas na biso inondation na biso ezali le manque ya kirage, manque ya assainissement et puis manque ya oyeloko ba bengi nettoyage. Ce qui kirage ezali permanent, bato ba tonga na ba place ba bengi ezali ba espace public, ba construction anarchique. Les gens ont construit sur les caniveaux, les gens ont construit sur les tunnels. Ba bengi ango ezali ba comment on appelle ça? Ba grand caniveau. Eux ko yu ko mema Mai ekende na fleuve bato batonga yango esala ke mbula soki beti mai place okende zate. Alors na moni vice gouverneur a sali descente mama moko azali ko pesa ye azako yebisa ye même ke ezali na colonel moko atonga sur le grand caniveau o ememaka mai ya mbula e memango na fleuve. Mais on voit des choses comme ça. Ba benga ministre affaire ya nini ya foncière akasa banubola ba kende ba sala inspection ba tala. Nous avons des scientifiques dans ce pays. Nous avons les gens qui ont fait la gestion de l'assainissement. Batoba sali urbanisme. Le kola ba maman la biso dit pour yesabe. Azali maman, azali ingénieur na domaine ya urbanisme et habitat. Bokoyi ko associé ba ngola ba biloko ya bo. Ba sala analyse ba kende kotala mbule beta ka wapi. Maye kanga maka wapi et puis ba yeba. Comme ça, va dénicher ma place oyo. Ma problème est Zali. S'il faut détruire, bon détruire. On ne peut pas sacrifier un peuple pour na mutumo son colonel, son général à Tonganda kunaye. Mboule Beti, tozoe ma place au Kendete, Kinshasa Ezo Bonga, mon bien-aimé Daniel Bumba, vous avez tout mon soutien. Vous avez le soutien de Mara Bobola. Mais Moussale Salama. Moussale Salama, il vous a quelque chose de bien. Tomoni et dit Yeli na terrain. Ezaki logo ya bien, mais. Bon, mais quand même, qu'on multiplie. Par contre, continue le mois de novembre. Awa mboula et bête à donc, de continue la saison à mboula. Tito, comme en décembre, vous allez en dégainer. Bah, image à vous, franchement, et ça m'a la montée. Alors, bon week-end à tous et puis, tout koutani à la prochaine. Ciao. DJ Stéphane. Oh, Balamwangé. Congo ya Lumumba, Congo. La fachi béton. Tangwe koki yo yo yo. Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oyeye oh, yeah, yeah.